Ouais, c'est juste des petites pièces hein, sans intérêt pour l'instant. Attention à la flotte là. Je mets pas le pied dedans, c'est pas ce qu'il y a, si c'est stable ou pas. Alors, ça continue, c'est monstrueux. Alors là c'est fou parce que là c'est dans la roche directement quoi. Alors est-ce qu'ils ont commencé à creuser, ils n'ont pas terminé, je sais pas. En tout cas là, il y a une extraction d'air, pardon. Oh, allez, encore foutu le pied dans l'eau. Bon, je pense que je crains plus rien. Donc on va repérer les flèches, donc on va suivre. Donc flèche jaune et verte, les ressentis, hein, toujours. Alors là, il y a un os. Alors j'espère que c'est pas un os humain. Bon, il est assez balèze. Hein. J'ai un os de bœuf, on a un genou, je sais pas ce que c'est. Et là, je vous avoue, ça commence à cailler là. Il y a du salpêtre sur les murs. Donc, sortie bleue, on est vu par le bleu, tac, orange, ça c'est Denis, tiens. Salut Denis, si un jour tu vois la vidéo, je vais voir là, bon, ça continue un peu là-bas, donc là il y a un mont de charge, je recule un peu que vous puissiez le voir, tiens, tu peux juste avec la main s'il te plaît, comme ça on va voir un peu mieux. On s'en verra après, là il y a des escaliers. Alors essayez de faire gaffe dans les escaliers, que ça ne s'éboule pas, que ça peut s'ébouler. Voilà, ça grimpe, hein, ça grimpe sac. Alors là, il y a une ouverture sur les machines. On voit qu'il y a de la bougie par terre. Putain, ça grimpe sec. Sortie. Il y a une sortie en extérieur. Il y a des latrines. Là, une pièce énorme. Là, j'avoue que ça manque un peu d'air. Ce petit bonhomme vert là qui est célèbre, vous avez pu le voir dans plusieurs vidéos. Alors voilà les sagouins, ça vient squatter puis ça repart pas avec ses déchets, quoi. Ça c'est dégueulasse. Donc il va sortir par là, c'est bon de savoir si jamais on ne retrouve pas la sortie par laquelle on est rentré. Désolé, hein, je suis en train de grimper. Hop. Donc, une belle sortie par ici, ouais, effectivement. Hop là. Hop. Ah, je vois quatre patins. Désolé. Voilà, le temps de me reprendre. Là, il y a un canon qui manque. Alors, ils ont fait en sorte qu'on puisse monter. Tiens, tu me le dire s'il te plaît. Attends, je grimpe, tu le repasses en haut. Enfin, je ne fais pas tomber. On va vider ça là. Enfin, c'est bien parce qu'il y a ça, mais il n'y a rien pour les mains. Alors, c'est dit ça là. On va essayer de planter le cal de la peau pour accrocher. Hop là. Tiens, on va passer le cal s'il te plaît. Hop. Merci. Hop là, voilà. Je reprends le relais. Donc voilà, vue d'en haut. Moi je viens de là. Alors, là il y avait des ouvertures. Oh, là c'est merveilleux, il y a un canon. Donc là
là les gars, il y a encore le canon quoi. Alors voilà à quoi ça ressemblait. Je mets un petit peu, désolé, le zoom est dégueulasse. Hein. Donc il ne me reste plus que cette cam, j'avais plus de batterie dans l'autre. La qualité va pas être terrible, normalement je suis en 1080p, mais bon. Voilà, il y a le canon, ça c'est génial. Donc voilà, c'est un canon articulé. Une espèce de bille autour en fait. Donc ça ressemble à ça, donc il y en avait un là. Donc là, meurtrière, certainement une mitrailleuse, donc un petit fossé. Là, un volet fermé, il est déjà avoir un canon. Donc là, il doit y avoir, je pense, qu'il doit y avoir des tourelles. On est rentré par là, donc on va re-rentrer par là pour finir. Encore aux déprises d'air. Ah ouais, quand même. Donc là, quand même, il y a un treuil. Désolé, il y a du vent. Hein. Là, c'est la route qu'on a pris tout à l'heure. Ah, voilà. Donc ça, je pense qu'on va voir plus tard. Il y a trop de tourelles ici. Qui prenait sur la vallée, là. Donc, je rappelle encore. Imaginons, il est assez bon cœur là, il nous défendait. Donc là, on tourne. 2004. Tu vois où il fait peur ce truc quand même. Allez. Donc on sait qu'il y a une sortie par là. Le cap n'est pas haut. Donc là il y a le capteur par terre. Donc le mont de charge qu'on a vu en bas. Ça continue à monter, on va monter. Hein. Alors, ce qui se trouve en haut. Là, c'est bizarre. Une cage. Alors, ah, ça grimpe là. On dirait la machinerie pour le compte charge. Oh. Ouais, la puce. Oh. Ouais, c'est la machine pour le compte charge. Donc, le compte charge s'arrête là. Et là, on arrive. Oula, d'accord. Donc ça, c'est le canon. Là c'est beau. Là c'est le canon qu'il y a dehors. Là, je pense qu'il devait stocker les munitions. Frein de tir. Donc là c'était articulé, c'était pas l'angle de tir. Donc, je sais pas du tout comment ça marchait, mais on voit qu'il y a des poulies, qu'il y a des chaînes. Donc le canon qu'il y a dehors c'est ça. On voit le canon, on voit à peu près le diamètre de tir. Moi, c'est du 80-90. Enfin, je ne sais pas si ça correspond au diamètre d'obus, peut-être un mortier, je ne sais pas. Ce qui est fou, c'est que ça a l'air intact. C'est vraiment, vraiment bien conservé. Donc là, il y a cette plaque là qui est reliée par des chaînes, donc qui est amovible. Alors, je ne sais pas si ça devait... Ça a débouché le canon. Alors, si vous savez à quoi ça sert, dites-moi-le dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, je suis très curieux. Voilà cette plaque là, qui est articulée, donc qui doit remonter. Est-ce que ça vient obstruer ce trou? J'en sais rien. Est-ce que ça vient protéger? Est-ce que le canon doit avancer un peu plus et que ça vient. Enfin, je sais pas. Dites-le-moi dans les commentaires, j'apprécierai. Allez, on va poursuivre. Donc là, il y a le deuxième canon. Dans celui qui est manquant, parce qu'on ne voit pas à l'extérieur. Donc il y a des contrepoids au bout. Pareil, hein, c'est articulé. C'est vraiment, vraiment bien conservé. C'est-à-dire que ça, ça a dû envoyer du lourd. Là, il y a des casiers.
une porte monstrueuse. Donc je pense qu'il doit y avoir un accès par le haut. Quand il y a des portes comme ça, c'est si jamais l'ennemi réussit à pénétrer à l'intérieur. Donc là on voit qu'il y a un poste, il y avait un établi, du moins il devait y avoir les radios dessus certainement. Et là, alors ça je ne l'ai jamais vu sur les autres. Je pense, si je ne veux pas dire de conneries, hein, vous allez me dire hein, si je dis conneries ou pas, mais à mon avis, ça servait à recevoir les douilles qui étaient éjectées, et ça devait les balancer là-dedans et elles devaient être récupérées plus bas. Donc certainement dans un des conduits qu'on a vu, donc c'est peut-être pas un conduit d'air là. C'est la première fois que je vois ça en fait, les autres ça y était pas. Ça bouge encore, ça articule. J'essaie de le pousser de côté. Ok. Donc en fonction, ça devait tourner avec le canon je pense, hein, en fonction de l'orientation et ça recevait les douilles. Donc là, je pense que c'est la lucarne avec la mitrailleuse qu'on a vu en contrebas. Nous on est monté par là. Et là. Alors pareil. Hein. Ah bah c'est par là qu'on a monté. Ouais. Donc c'est ça là qu'on a vu, l'autre j'avais pas vu. Ces coffres, je sais pas ce que c'est gardé, ça peut garder des missions certainement, des documents, enfin, je sais pas, des documents dont je vois pas trop pourquoi, mais donc, on va continuer. Voilà, ça donne sur une pièce fermée. Alors, donc la porte là, c'est pas parce qu'il y avait une entrée, à mon avis c'était fait pour protéger l'accès au canon en cas de prise du fort, pour pas que le canon tombe sous les mains de l'ennemi. Parce que ça, c'est du balèze. Hein. C'est vraiment du balèze. Ouais. Donc ça protégeait bien les canons. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'était collé il n'y a pas longtemps. Parce que irritant pour la peau, ne pas respirer les poussières. D'accord, mais qu'est-ce qui est irritant pour la peau? C'était collé comme ça ou... Alors je sais pas si c'est les peintures ou... Je n'ai pas vu sur les autres. D'accord, alors pareil, des douilles partaient là-dedans, ok, voilà pourquoi je n'ai pas vu sur les autres, parce que c'est comme ça. C'est magnifique. Hop, inscription. Alors, support d'appui 23 x 1933 batterie K. Foire ou boire, je ne vais pas dire, c'est effacé. Poire, Loire. Ah, du 23 Loire 1933 batterie K. Oh, c'est fou. J'avais pas vu ces inscriptions. Donc, on refait machine arrière. Donc là on est arrivé au sommet. Donc dans un souci d'économie de batterie les gars, pour pouvoir continuer à vous filmer la suite, on va couper. On reprend juste en bas au pied du mont de charge. Voilà donc on a l'autre bout, on revient là. Pour vous montrer un petit peu, c'est là tout à l'heure on hésite entre gauche et droite. L'entrée elle est là-bas au fond. Donc nous on est passé par là. Et maintenant on va faire cette allée. Fais gaffe au trou. Ça va très vite. On va faire cette allée qui est monstrueuse. Donc là. Des salles sans plus, hein, sans intérêt particulier, on va voir quand même. Donc toujours un poste électrique. Ah, lumière du jour, non. Bon, non. Ça tourne, donc on retrouve l'allée. Alors certainement des postes de garde, je dirais.